Grâce à ces panneaux isolants naturels, je vais vous faire gagner quelques degrés dans votre logement en isolant votre toiture par l'intérieur. L'isolation de votre toiture serait responsable d'environ 30% des pertes de chaleur dans votre habitation. On va économiser combien en moyenne si on pose soi-même les isolants? On peut compter facilement à gaz de 40 à 50% sur le coût total de la facture si on le fait soi-même. On va utiliser donc une scie électroportative ou une scie manuelle. On peut utiliser une agrafeuse pneumatique pour fixer le frein à vapeur. On peut également utiliser une agrafeuse manuelle et puis des outils basiques, un mètre, un crayon, un cutter et alors ici la visseuse pour mettre les expandeurs. Chez la plupart des propriétaires des maisons actuelles en rénovation, nous n'avons pas assez de hauteur par l'intérieur pour isoler de façon performante. Donc on doit trouver des solutions pour pouvoir mettre plus isolant. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est bien. Alors. Vous travaillez avec différents isolants naturels. C'est exact. Donc ici, voilà, je vous les présente. On a le chanvre, on a le gramiterme et alors on a la fibre de bois. Alors les différents avantages qu'on va retrouver avec un isolant naturel, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être de travailler avec un isolant qui est biosourcé, qui consomme moins d'énergie à sa production. Deuxième avantage, c'est un isolant au niveau de sa mise en œuvre qui va être moins irritant. On va avoir aussi un isolant qui va être performant contre le chaud, contre le froid et aussi acoustiquement qui est très intéressant. Voilà. C'est une membrane perspirante, donc elle va être fermée en hiver et elle va être ouverte en été. Ça va permettre de pouvoir avoir un échange de vapeur et de garder le complexe d'isolation toujours au sec. Ici, on va tester l'efficacité de ces panneaux isolants à la chaleur, puisqu'on ne peut pas les tester avec le froid, on est à l'intérieur. On arrive à du 29, 31, en fait même 40, 50. Et si je passe au niveau des panneaux isolants, là, on est sur du 19, 20 degrés. Donc, c'est hyper performant. Une isolation comme ça, ça vous coûterait entre 2000 et 3000 euros pour votre toiture. Ça vous protège aussi bien l'été que l'hiver. Et des primes existent pour amortir les coûts.